Un matin, à l'automne 1986, dans la ville de Hamm, en Allemagne de l'Ouest, CB s'est réveillé, attaché à un réverbère environ à 15 mètres du sol. Un peu plus loin, il y avait un portail, une barrière avec des fils barbelés. Et derrière ce portail se trouvait une centrale nucléaire. CB était devenu l'un des leaders d'un mouvement militant contre le nucléaire. Et à ce moment-là, il manifestait contre l'ouverture d'une nouvelle centrale. Certains de ses amis lui apportaient de la nourriture et de l'eau. Et puis, ils avaient mis en place un système de poulies pour pouvoir lui apporter ses aliments. Ce matin, cela faisait déjà 2 nuits et 3 jours qu'il était perché là-haut. Et il était fatigué, il avait de la fièvre. Et il était aussi très déçu de sa vie de militant. Il était aussi déçu du mouvement militant en général. En fait, même avant d'être monté là-haut, il avait été déçu par ce mouvement parce que le désastre de Tchernobyl avait eu lieu quelques mois plus tôt. Et il pensait alors qu'il y avait des infiltrés dans le mouvement qui venaient du gouvernement ou encore de l'industrie. Des infiltrés qui avaient peur de ces militants puisqu'ils faisaient partie de la grande industrie. Et il n'était pas sûr, donc il pouvait faire confiance à ses amis. Donc il a fini par se détacher, par descendre et par rentrer chez lui. Lorsqu'il est arrivé chez lui, un de ses amis a préparé un repas. Ils ont mangé ensemble. Et puis, après le repas, ils se sont assis pour regarder un film. Son ami avait amené une cassette vidéo du film Simon du désert de Luis Buñuel. Il regardait le film, mais au bout de quelques minutes, CB s'est endormi. Et dans son sommeil, il a commencé à rêver. Et dans son rêve, il continuait le film. Mais au lieu de Simon, c'était lui qu'il voyait. Et au lieu des colonnes, c'était ce réverbère, il était attaché à ce réverbère. Et puis le désert autour de lui, dans son rêve, c'était le même désert. Lorsque je suis allée lui rendre visite, il m'a dit que c'était ce film, et plus particulièrement le rêve qu'il avait fait quand il était en train de regarder ce film, qui l'a poussé à quitter le mouvement contre le nucléaire et qui l'a poussé à quitter sa vie en Allemagne pour déménager et s'installer dans le désert au Mexique. CB vit à Villa de la Paz, qui est une ville minière dans le centre du Mexique. Je suis allée lui rendre visite parce que je voulais faire un documentaire sur lui, et plus particulièrement sur un de ses projets sur lesquels il travaillait à l'époque.
C'était un projet d'archéologie, un projet d'archéologie amatrice qui a commencé parce qu'il a trouvé des restes de mammouths dans le désert en faisant des fouilles. Et puis il a aussi trouvé d'autres objets d'une certaine valeur archéologique. Et c'était intéressant, pas seulement parce qu'il avait trouvé ces objets, mais aussi parce qu'il avait toute une théorie sur ces objets qu'il mettait au grand jour. Et il pensait que les premiers êtres humains qui avaient pour la première fois foulé le sol du continent américain l'auraient fait il y a 30 000 ans et pas il y a 14 000 ans, qui est pourtant la date reconnue par la communauté archéologique. Et donc, en fait, il essayait de changer l'histoire. Et il pensait aussi que les premiers êtres humains n'étaient pas arrivés au sud des États-Unis, mais plutôt directement dans cette région. Et donc, c'était pour lui une poursuite archéologique qui le poussait à chercher des os humains d'il y a 30 000 ans. Tous ces objets qu'il trouvait, il les plaçait dans un musée. C'est un musée un peu fou. D'un côté, il y a toutes ces choses qu'il a trouvées pendant ses fouilles, mais comme il s'agit d'une ville minière, ce musée contient aussi beaucoup d'objets qui rappellent l'histoire de l'activité minière. Donc toutes les machines qui sont désaffectées, qui ne sont plus utilisées, et puis il établit un certain nombre de liens entre ces objets et d'autres choses qu'il a trouvées dans le désert, comme des téléphones portables, des morceaux d'astéroïdes qu'il a trouvés dans le désert. Donc il essayait de créer en quelque sorte un lien entre ce mammouth, ces téléphones portables, ces météorites, etc. Et pour lui, son musée va du Big Bang à l'intelligence artificielle et puis tout ce qu'il y a entre les deux. Pendant que je l'interviewais sur ces questions, il m'a arrêté un moment pour me dire que l'appareil photo que j'utilisais pour enregistrer, qui était un petit appareil photo numérique, eh bien que cet appareil photo produisait des images sans âme. Selon lui, lorsque la lumière frappe le capteur de l'appareil photo, eh bien le capteur transforme cette lumière, détruit l'image, et ensuite le logiciel de l'appareil photo reconstruit une série de pixels à l'écran. Et dans ce processus de destruction et de reconstruction de l'image, eh bien l'âme est perdue. L'âme de l'objet qui est photographié est perdue. Alors que dans les films que lui avait faits, des films qui étaient en 16 mm, et bien selon lui, l'âme des choses photographiées restait sur la pellicule. Parce que le processus chimique impliqué, l'exposition de la pellicule permettait de garder l'image, mais aussi l'âme de l'objet. Ça ne m'embêtait pas trop qu'il était en train de critiquer ma technique, mais par contre, j'étais assez enthousiasmée par le fait que j'avais rencontré quelqu'un qui avait ces projets incroyables, l'archéologie, le musée, mais en plus de cela, il avait fait des films. Et je voulais voir ces films et je lui ai demandé de me les montrer. Il m'a dit que ces films ne l'intéressaient plus du tout, que ça faisait longtemps qu'il ne les avait pas vus, qu'il ne savait même pas où ils se trouvaient, et qu'il n'avait plus aucun désir cinématographique. Donc je suis retournée à Mexico. Et en fait, cet homme
m'a fait un peu rentrer en transe et donc j'ai commencé à discuter avec les gens autour de moi, ma famille, mes amis. Je parlais tout le temps de lui. Et puis un jour, un de mes amis m'a dit qu'il connaissait son ex-femme et que peut-être son ex-femme pourrait me parler un petit peu de son travail et pourrait me dire où se trouvaient ses films. Alors je lui ai écrit et puis elle m'a répondu. Je vais donc vous lire une partie de cet email qu'elle m'a écrit. J'ai rencontré CB à une fête. Il a passé près de 2 heures à ne parler à personne. Il n'arrêtait pas de me regarder. Et puis finalement, il m'a rejoint, moi et Guillermo Oroña, qui était un jeune chorégraphe. Guillermo cherchait un réalisateur pour l'aider avec un projet qui consistait à filmer une série de mouvements entrecoupés avec des documents de copyright pour chacun de ces mouvements. Personne n'a bien compris le projet au début. Cette idée que quelqu'un veuille s'approprier des droits sur de simples mouvements corporels semblait scandaleux. Et puis rappelez-vous que CB était un anarcho-syndicaliste, donc il était contre un État puissant, un État réglementaire, et en même temps contre la propriété privée. Et ce projet semblait combiner ces deux aspects. CB n'avait plus aucune attente cinématographique à ce moment-là, mais il était choqué de voir que quelqu'un voulait faire du mouvement corporel une propriété privée, tout en obtenant le sceau de l'approbation de l'État. Je me souviens que Guillermo Oroña a dit « La société n'est pas responsable du bien-être des êtres humains qui ne sont pas propriétaires ». Je lui ai dit que Felipe Casals, un réalisateur très connu mexicain et un de mes amis, était en train de tourner un film. CB s'est rendu sur le lieu du tournage, personne n'a demandé qui il était. Il a trouvé sur le plateau une boîte de pellicule qu'il a volée et qu'il a ramenée chez lui. Ils ont tourné la danse avec ces pellicules et puis ils les ont déposées dans le seul laboratoire qui existait à l'époque dans la ville. C'était les studios Churubusco, qui était une entreprise d'État. Après avoir déposé le film, CB est devenu paranoïaque. Il pensait que les producteurs de Casals avaient informé le laboratoire de ces boîtes de pellicules manquantes qui pouvaient être identifiées à l'aide des numéros sur la boîte. Il n'est jamais allé chercher son film et puis, quelques semaines plus tard, il est parti. Il était déçu de la vie qu'il menait ici et il voulait trouver un endroit isolé où vivre. Après avoir lu cet email, je me suis demandé si je pouvais retrouver le film au studio Churubusco. Mais en fait, ces studios sont les plus grands studios en Amérique latine. Le laboratoire était énorme. C'était il y a quelques années, donc j'avais manqué un peu de confiance, mais j'ai fini par aller les voir. J'ai passé une semaine là-bas et puis j'ai cherché dans les archives et j'ai fini par trouver le film que je cherchais avec son nom. Et je ne sais pas pourquoi, il n'avait pas développé les pellicules, il n'avait pas traité le film. J'ai donc payé pour que ce film soit traité. Mais évidemment, lorsqu'on laisse une pellicule de côté pendant 20 ans, eh bien, l'image se dégrade. Heureusement, nous avons réussi à travailler sur la pellicule et grâce à un processus numérique, nous avons fini par mettre sur pied une image à peu près décente.
J'étais très heureux d'avoir trouvé le film, d'avoir pu le voir. Et puis, je suis retournée voir CB pour lui montrer. Je lui ai montré tout de suite quand je suis arrivée. Il trouvait que c'était assez amusant que j'ai pris cette peine de chercher cet objet qu'il avait, lui, abandonné tant d'années auparavant. Mais en même temps, il était un peu mal à l'aise avec le fait que la seule personne qui se soit intéressée à son film, eh bien, le seul film que j'avais vu, c'était finalement quelque chose qu'il ne considérait même pas comme un film, puisqu'il s'agissait simplement de manipuler une caméra pour un projet qu'il trouvait un peu ridicule, et puis il trouvait que le film était un peu ennuyeux. Donc il m'a demandé de l'accompagner en voiture. Nous avons commencé à conduire, nous sommes allés chercher quelques-uns de ses amis, et puis pendant qu'on était sur la route, il m'a dit qu'il voulait me montrer un autre de ses films, mais qu'il l'avait enterré dans une cave à environ 2 heures de là. Nous sommes montés dans la voiture, nous avons commencé à conduire. On devait trouver cette cave au milieu de nulle part, dans les montagnes. Et il a dit que si on cherchait avec beaucoup d'attention, bien la lune finirait par se lever, et puis il y aurait un alignement entre la montagne et la lune, et puis c'est là qu'on trouverait la cave. Donc tout ça, c'était un peu fou, évidemment. Et pendant qu'on conduisait, il a décrit le film que nous allions trouver. Après avoir déposé son film au studio et après avoir quitté la ville, il a déménagé dans cette petite ville et il a rencontré un homme qui s'appelait Alfonso, qui à l'époque avait 60 ans. Alfonso, toute sa vie, depuis qu'il était adolescent, avait été en charge de démarquer les lignes du terrain de football pour les matchs le dimanche. Donc tous les dimanches matins, il se réveillait, il marchait 5 km, les 5 km entre sa maison et le terrain de football, pour pouvoir tracer les limites sur le sol du terrain. Et il le faisait avec un système très simple, un pot qui était troué, une craie et un bâton. Et il marchait avec son bâton pour créer les lignes. Peut-être que vous avez déjà vu des images de ce processus. Voilà, là on commence à voir la lune. Donc c'est quelque chose qu'il faisait depuis qu'il était adolescent. Mais comme les années passaient, cette promenade de sa maison au terrain de foot avait beaucoup changé. Au début, il passait à travers des terres communautaires, mais petit à petit, ces terres communautaires étaient devenues privées, des terres privées. Donc il ne pouvait plus les traverser, il devait les contourner parce que des gens avaient commencé à privatiser ces terres, avaient commencé à construire des murs autour de leur propriété, et donc sa promenade s'envoyait rallonger. Après la révolution mexicaine, il y a eu la réforme agraire au Mexique, et cette réforme permettait aux agriculteurs et aux fermiers d'avoir des terres pour y travailler. Ils avaient le droit d'y travailler, mais pas de les vendre. Et puis, au fil des années, cette loi a été révoquée et des gens ont commencé à privatiser, à acheter ces terres. Et lorsque CB a rencontré Alfonso, il a eu cette idée de faire un film sur lui. L'idée, c'était d'utiliser la terre originelle de la réforme agraire, donc la carte originelle des terres communautaires, et puis il rentrerait sur les propriétés privées et ils utiliseraient ce même système pour créer avec de la craie
une sorte de carte à grande échelle des terres communautaires par-dessus les terrains privés. Nous avons fini par arriver dans cette cave et puis quand on est arrivé, CB a dit qu'il fallait qu'on soit silencieux parce qu'il avait enterré son film dans un trou. Dans un trou dans cette cave, et d'après lui, ce trou faisait un petit bruit. Et la seule façon pour nous de trouver ce film, ce serait d'être extrêmement silencieux, de faire attention à ce son, et si on trouvait ce son, si on entendait ce son, eh bien on trouverait le film.
CB finit par déménager à Real de 14, qui est une ville fantôme, une ancienne ville minière. Et puis, au bout de la ville, près du cimetière, il a acheté une petite parcelle de terrain où il a construit cette maison. Il s'est marié, il a eu deux filles, et il a divorcé. Et puis les filles ont grandi et ont quitté la maison. Et sa fille de 18 ans a postulé à l'université ibéro-américaine, qui est une université privée, l'une des plus chères de Mexico. Et CB se sentait coupable de ne pas pouvoir payer les frais de scolarité de l'université. C'était la première fois dans sa vie qu'il avait besoin d'argent. Il ne s'était jamais préoccupé des questions d'argent dans sa vie, puisqu'il avait toujours échangé des choses, fait du troc pour survivre. Mais là, il devait payer ses frais de scolarité, et donc il a contacté un de ses amis, très atypique pour lui. C'est un homme qui s'appelle José Cerillo. Et c'est le propriétaire d'une des plus grandes mines de cette région. C'est un millionnaire qui a des jets privés, ce genre de choses. Donc il a demandé à cet ami un emploi. Et la raison pour laquelle ils étaient amis, c'est parce que cet homme avait un véritable intérêt pour l'art et ils s'étaient rencontrés lors d'un festival, le Festival des Arts du Désert. Et Cerillo est l'un des présidents du conseil d'administration de ce festival. Donc Cerillo a décidé que plutôt que de payer CB pour un emploi dans la mine, eh bien, il paierait directement pour payer les frais de scolarité de sa fille. Bien sûr, CB ne pouvait pas travailler à la mine parce qu'il avait 60 ans et parce qu'il n'était pas formé pour le faire. Mais il a beaucoup contribué, il a fait beaucoup de projets pour la mine. Et l'un de ses plus grands projets, ça a été de reboiser une grande partie de la montagne qui n'était plus exploitée. Il a emmené des enfants avec lui pour l'aider à reboiser donc ces secteurs de la montagne. Il a aussi construit un parc pour enfants avec des jeux d'enfants. Il utilisait des morceaux de machines qui ne sont plus utilisés et il les a transformés pour créer ces jeux pour enfants. Et le projet qui m'a le plus intéressé, c'est ce projet que j'ai mentionné au début, qui était le musée de la mine. C'est un endroit assez bizarre. Déjà, c'est très très grand. C'est peut-être trois fois la taille de cette salle. Et il y a énormément de choses qui sont exposées. Il y a les os de mammouth qui ont été trouvés. Il y a des pointes de flèches qu'il a aussi trouvées de civilisations anciennes, des morceaux de machines que j'ai mentionnés au début. Et puis, il y a autre chose qui est exposée au centre du musée. Il y a
l'exposition de ce qu'il appelle des fossiles d'aliens. Et alors j'ai regardé, effectivement, il y avait des fossiles et puis dessus des peintures qui ressemblaient un peu à des peintures préhistoriques de vaisseaux spatiaux qui auraient soi-disant atterri dans la région. Donc c'était assez bizarre. Et puis la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit que ça remettait tout en question, que ça remettait en question toute cette théorie sur les premiers arrivants. Ça remettait en question l'image de cet homme avec cette chose très bizarre au centre du musée. Donc je lui en ai parlé et je l'ai questionné à ce sujet et il m'a dit qu'il était très important d'avoir au centre de ce musée un élément de fiction parce que cet élément de fiction permet aux visiteurs de remettre en question la véracité de tout le reste. Et donc lorsqu'on remet en question la véracité de tout ce qui se trouve dans le musée, eh bien on commence à réfléchir de façon plus profonde à ce qu'on voit, à la façon dont nos vies sont reliées à ces éléments. Parce que la plupart des gens qui vont dans ce musée ont un lien avec la mine, d'une façon ou d'une autre, parce que ce musée est vraiment au milieu de nulle part. Donc ceux qui vont dans le musée, ce sont soit des mineurs, soit les enfants d'un mineur, quelqu'un qui a forcément un lien avec la mine. Et le musée cherche à relier l'activité minière avec le reste du monde. Donc cet objet exposé au milieu, cette fiction, c'était intéressant pas seulement parce que ça pousse les visiteurs à réfléchir, mais c'était aussi très étrange pour un musée d'histoire naturelle, puisque c'est un peu de cela dont on parlait. C'était quelque chose de tout à fait novateur. Je n'avais jamais vu une fiction exposée au milieu d'un musée d'histoire naturelle. Je lui ai dit que je voulais voir les sites où il avait réalisé ses fouilles archéologiques. Alors, il a commencé à creuser seul. Les premiers restes de mammouth qu'il a trouvés, il avait creusé seul. Et puis, petit à petit, les choses ont pris de l'ampleur. Le propriétaire de la mine, qui lui donnait de l'argent pour faire ses fouilles, a commencé à se préoccuper du fait que c'était illégal, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire sortir des os de mammouth de terre comme cela. Et ils ont commencé à institutionnaliser les fouilles. Ils ont appelé l'Institut national pour l'histoire et l'anthropologie, qui est un institut du gouvernement qui s'intéresse à ces fouilles. Et ils ont dû cacher le mammouth, le remettre sur le site, mettre de la poussière par-dessus pour que cet institut ne sache pas qu'il l'avait mis à jour de façon illégale. Tout d'abord, il faut savoir que pour cette fouille importante, nous devons avoir toutes les pièces en main. Nous avons des petits fragments d'Homo sapiens, mais il nous manque encore le carbone. Et avec ces petits fragments, il y a beaucoup de contamination entre les différentes couches. La pluie fait bouger les particules d'une couche à l'autre et donc c'était assez difficile de trouver d'autres pièces. Souvent, il y a une contradiction, les résultats sont contradictoires. J'ai remarqué que les archéologistes et les paléontologues et les universitaires ont accumulé énormément de connaissances, mais que l'application n'est pas si facile. Quelqu'un qui étudie plusieurs cultures, par exemple, comme les nomades dans le désert, et qui n'a jamais vécu avec un nomade, n'a que peu de connaissances du quotidien de ces gens. Quels sont les matériaux qu'ils utilisent ?
quelles sont les choses qui leur importent. Après cela, je suis allée dans son entrepôt où il gardait tout ce qu'il utilisait pour le musée ou pour d'autres projets. Et quand on était là-bas, il m'a dit qu'il voulait me donner un autre film qui permettrait de compléter une trilogie, la trilogie de la propriété privée. Nous avons donc cherché dans l'entrepôt et puis finalement il a trouvé cette boîte de pellicule et puis il avait aussi un projecteur. Donc il a tout mis en place et il m'a raconté rapidement l'histoire de ce film. Au Mexique, à un moment de sa vie, il avait travaillé avec un militant des droits des animaux qui sabotageait les fermiers et les industries qui commettaient des actes de cruauté envers les animaux. Et il avait décidé de faire un film en travaillant avec ce militant. Il a trouvé le film, il a mis en marche le projecteur et puis il me l'a montré là, dans cet entrepôt.
féroce et rude est cette heure où l'on dit en silence et où l'on meurt en hurlant. Sebe est mort à l'hiver 2017, au milieu du désert, seul, avec rien et personne autour de lui. Sa maison était vide, il n'avait rien, il ne possédait rien. C'était quelqu'un qui accumulait de façon compulsive, mais il n'accumulait pas ces choses pour les avoir, plutôt pour les transformer, pour leur donner une nouvelle vie et ensuite les rendre au monde. Cette discussion, cette lecture, ce n'est pas la vie d'un homme, mais plutôt les grandes lignes de toutes ses vies qui l'ont habité. C'est le résumé de certains de ses projets. Cependant, le plus je creuse dans les histoires de sa vie, le plus je trouve de projets et d'univers non explorés. Pour le moment, ses vies, ou peut-être ses possibles vies, sont toujours enterrées comme les os des premiers êtres humains qui ont vécu sur le continent américain. Merci.